dans 2 semaines avant le nouvel an lunaire, une époque où la plupart des Chinois rentrent chez eux pour retrouver leur famille. Mais cette année, la pandémie est susceptible de forcer beaucoup à rester sur place où ils travaillent. Cette année, près de la moitié des travailleurs migrants à Daishan, une ville insulaire dans l'est de la Chine, choisissent de rester sur place pour le nouvel an lunaire. Mais cette année a été difficile, surtout financièrement, et certains admettent qu'ils ne travaillent que pendant l'importante fête nationale, parce qu'ils ont besoin de gagner plus d'argent. Bien sûr, ma maison me manque et je veux y retourner. Nous avons tenu plusieurs réunions pour nous parler des nouvelles politiques du gouvernement concernant le retour dans notre province d'origine cette année. Ils nous encouragent à rester. Vous savez, j'ai une famille à élever. Il n'y a pas que les Chinois qui restent sur place. Tran Kiengwehe de Singapour, où le festival du printemps est également célébré, et il ne peut pas retrouver sa famille non plus. Je célèbre le nouvel an chinois avec ma famille chaque année depuis que je suis jeune. Même après avoir commencé à travailler en Chine, j'ai l'habitude d'y retourner. Pour ma part, en raison de l'horaire chargé du projet, je resterai personnellement cette fois-ci pour travailler sur le projet. L'entreprise compte maintenant environ 4000 travailleurs et le gestionnaire espère que d'autres resteront pour s'assurer que le projet soit terminé à temps. Chacun est payé environ 2000 dollars américains pour travailler pendant les vacances. Tout d'abord, le projet a un délai strict et nous ne sommes pas autorisés à reporter son achèvement. Deuxièmement, comme nous le savons tous, la pandémie complique la situation. Donc, si nous ne gardons pas les chiffres ici, nous n'aurons peut-être pas assez de main-d'œuvre après la nouvelle année si quelque chose se produit. On estime que 1,7 milliard de voyages seront effectués au cours de la ruée vers les festivals de printemps de cette année, soit 40% de moins qu'en 2019. Les résultats des tests d'acide nucléique sont nécessaires pour se déplacer pendant les vacances et dans certains endroits, la quarantaine est nécessaire. Comme les gouvernements offrent des incitatifs financiers pour rester sur place, bon nombre d'entre eux restent là où ils travaillent. Quoi qu'il en soit, célébrer le nouvel an lunaire sans famille n'est pas conventionnel selon les normes chinoises.